demander aux gens qui sont ici, s'il y en a qui ont fait la même expérience que moi cette année, c'est-à-dire de voir le programme de Marie pour mémoire avec le bleu des origines à Paris, tel qu'il est sorti, où on a passé d'abord le bleu des origines, et ensuite Marie pour mémoire. Et est-ce que vous avez eu cette impression? Oui, mémoire en premier, le bleu des origines, j'ai dit le même inverse, oui, mémoire en premier, le bleu des origines en premier, et Marie pour mémoire en second. C'est-à-dire le bleu des origines en premier et les maris complètement après. Eh bien, le résultat, c'est que le bleu des origines est présenté comme un court-métrage, n'est pas d'un autre film, d'un grand film, plus long, et l'un si long. Voilà. Pour moi, l'impression est celle-ci, tandis que, c'est-à-dire, je l'ai vu aujourd'hui tel que je l'avais vu la première fois, il y a... Quand il était sorti de presse, Marie pour mémoire, il a gardé toute sa force, en fait, il ne prend pas ce côté de programme arbitraire où on met un film qui a une certaine tonalité, enfin, une certaine façon d'être traité, n'importe où, n'importe quand, comme ça se fait dans le commerce, quitte à scier les deux films. Voilà l'impression que j'ai eu. Je voulais savoir si vous aviez la même, je crois que pas mal de gens l'ont eu une part. Personne n'a vu le programme pour ça. Il y a un vrai problème financier, un vrai problème économique auquel on se heurte. La position des gens qui ont été confiés. On voit mal, on voit un. Est-ce que tu as fait l'expérience? Non. Peut-être c'est plus difficile aujourd'hui. La parole que l'image, pour moi, depuis l'échec de 68, j'ai pas arrivé encore à structurer. C'est beaucoup plus difficile pour moi aujourd'hui, la parole que l'image, depuis l'échec de 68. Parce que dans Marie pour mémoire, il y avait la parole, et ça c'était en 67. Ça, je l'avais écrit, le texte. Et aujourd'hui, pour écrire un texte qui... Je ne sais pas, qui définit ce monde tel que je le vois, c'est beaucoup plus facile à l'image que la parole. J'ai pas l'impression que le langage ait été trouvé de la veille politique. Et la parole, c'est une politique. L'image, c'est la question du rêve, plus. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça. C'est un écrivain d'extrême droite, Dan Moussio, qui est un fameux écrivain. Mais, oui, je me suis aussi posé ce problème d'emprunter la parole d'un autre. Par exemple, à un moment, j'aime beaucoup Nadja Breton. Je me suis dit, peut-être on pourrait tourner Nadja. Puis il m'est apparu que c'était comme... c'était quelque part... une imposture que de prendre quelque chose qui a déjà sa force et qui est devenu sacré, et puis de le remettre dans la machine. Alors j'ai trouvé que le meilleur moyen, c'était de prendre quelqu'un que je trouvais mauvais. Comme ça, j'aurais pas de problème de respect vis-à-vis de lui. Alors ça, c'est un roman de D'Annunzio qui s'appelle Le Triomphe de la Mort, qui n'est plus édité depuis 40-50 ans, je crois. Qui est un roman pompier, comme ça, antisémite. Alors j'ai juste... c'est du détournement. C'est du détournement de tous les jours. Ce qu'on a fait, on avait le livre, et puis on ouvrait n'importe où. Et puis on écrivait sur le mur des phrases, et puis les acteurs les lisaient juste par-dessus l'épaule de l'autre. Et puis après, j'ai trouvé que c'était un peu... que j'avais pas réussi à le détourner, que ça gardait un caractère, que le texte il est un peu comme ça réactionnaire, un peu comme
fatigue, ou je ne sais pas le dire, comme la parole de droit, mais, enfin, pour moi, c'est une question d'éducation. Et j'ai pensé, je vais sucrer la bande son, je vais le présenter muet. Comme j'avais fait travailler beaucoup les acteurs, je ne pensais plus jamais un acteur accepter de travailler avec moi si je leur fais un coup pareil. Mais en fait, c'est dans mon travail, c'est aussi un travail de muet. Je veux dire, comment regarder le voyage est muet. Enfin, le travail de l'avancement, c'est pas, c'est vraiment jamais. C'est un film qui est tourné dans la compréhension du cinéma muet, qui est pas quoi. Parce que j'ai fait un rêve, je rêvais de vous lumière. Enfin, j'ai rêvé, j'étais dans une pièce avec Méliès, puis des acteurs français. Et on attendait Louis Lumière, et puis Louis Lumière entrait à un moment. Et c'était vraiment le triomphe de l'anima, c'était un tout petit bonhomme, tout ça, qu'on en croise dans la rue, limite, comme un petit bourgeois, en complété. Et c'était un génie, et alors on lui faisait tous, je ne sais plus, une offrande. Et je crois le film que je faisais, là, que des origines, c'était présenté, je devais jongler sans lui, sans que une boule tombe par terre. Et puis après, lui, il faisait des métamorphoses, comme ça, il empruntait chacun de nos visages. Enfin, c'était pour expliquer, je pense, tout ce que le cinéma peut faire, c'est-à-dire comme le transfert en psychanalyse, mais matérialité. Un visage, une personne qui prend tout d'un coup le visage d'un autre. Enfin, c'était un rêve. Et puis ça se finissait par une réalisation. Les artistes du cinéma étaient cernés, parce que c'est une secte un peu. Par rapport aux autres arts, c'est une secte. Et on est entouré par des flics, et on nous mettait tous les mêmes. Et oui, alors ça c'était vraiment par rapport à une préoccupation d'essayer de trouver un autre maître que Godard. Je pensais que ce qui est vraiment finalement qui a fait le travail, ben, le bout de lumière. Ça. Si on imagine les deux frères Lumière dans leur grenier, ils avaient 23 et 27 ans, et quand ils ont découvert le ciné, je veux dire, ils devaient être incroyablement branchés, quand même, pour arriver. Je serais bien capable de faire un peu. Alors oui, c'est pour le ciné, de chercher vers Lumière. Non, on ne peut pas refaire Lumière, non. Non, mais ça m'a aidé quand même à comprendre des choses sur Murnau et Stroheim, justement, ou à Belgans, où je me disais, quand même, ces gens ont une supériorité, surtout les modernes. À l'image, ont une supériorité, comment vous aimez ça, vibration d'image. Je me demandais si c'était soit l'érosion de l'histoire, enfin l'érosion du temps, sur la scène filmée, ou si c'était une manière lyrique qu'on avait de diriger les acteurs, ou je ne sais pas. Et en fait, beaucoup de choses que j'ai découvert étaient le fait de la caméra à manivelle. Parce que le fait de tourner à la manivelle, c'est une dynamique complètement autre. Un travail, alors c'est comme on est un peu il y a beaucoup moins le voyeurisme que dans le cinéma où la scène se joue avec des acteurs jouent, puis il y a l'équipe derrière qui fait demi-cercle, où il y a une espèce de, il y a ceux qui incarnent, puis il y a ceux qui pensent, c'est d'un côté l'exhibition, de l'autre le voyeurisme. Alors qu'avec la manivelle, je me suis rendu compte que ça faisait une pratique complètement différente avec les acteurs. Comme on était actif, on était quelque part beaucoup plus sur le même pied. Alors oui, puis plein de choses que j'ai découvert, oui, que quelque part on pouvait que déplacer, comme en fait le film muet, manuel, ne tourne jamais à la vitesse du réel, jamais. Il n'y a pas un moment où il est à la vitesse du réel. J'ai vu par exemple quand on dit le 16 images secondes, en fait c'est très très approximatif, parce qu'on ne peut pas tourner à la main exactement 16 images secondes et ça se promène dans des zones qui sont très larges. C'est-à-dire quand on tourne à 16 images, moi je tournais à 24 images secondes et j'ai vu que ça, qu'en fait c'était impossible de tourner plus précisément qu'entre 20 et 30 images secondes. Ça veut dire que les gens du muet ils tournaient entre 8 et 18 images secondes.
C'est-à-dire que le temps était sans arrêt distendu, au contraire, rapproché, et puis même, c'était projeté en ces images secondes, mais la manivelle, c'est une manière de faire la lumière, parce que c'est assez simple, c'est-à-dire plus vous tournez lentement, plus la pellicule s'expose. Alors si vous n'avez pas de lumière, vous tournez très 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 lentement. Et alors il y a plein de plans dans le muet qui ont dû être tournés à 3 images secondes, 2 images secondes, et on faisait jouer les gens très très lentement. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est simple pour ceux qui sont cinéastes, mais ils jouaient très très lentement. Par exemple, maintenant aujourd'hui on fait jouer dans les films d'épouvante quelqu'un qui monte un escalier, il appuie comme ça sur la pesanteur, dans tous les films d'épouvante, il appuie une manière de marcher, comme Polanski quand il fait marcher des vampires, il les fait appuyer. Bon, ça c'est par rapport à la tradition de l'acteur du muet, qui quand il faisait Nosferatu, quand quelqu'un montait un escalier, il montait effectivement avec une espèce de gravité, différente sur l'escalier, et ça revenait, c'était simplement ce qui se passait quand ce qui avait été tourné à 3 images secondes était rétabli à ces images secondes. Non, et puis aussi le fait qu'il y avait, bon, c'était une gageure aussi de ma part, le fait de tourner aujourd'hui un film à la manivelle, c'était pas dit que ça marcherait. Et puis finalement, c'est assez simple. Enfin, moi, je suis pas... c'est pas seulement parce que la parole, parce que je trouve pas quoi dire depuis 68, mais aussi je suis beaucoup plus, ce qui m'intéresserait le plus dans le cinéma, ça serait s'il pouvait devenir une science, comme par exemple la littérature devient la science dans les 5 psychanalyses de Freud, par exemple, je sais plus la poésie, en même temps ça pourrait pas exister s'il n'existait pas l'imprimerie, l'écriture, l'art d'écrire. Et ça m'intéresserait beaucoup plus un cinéma qui serait justement qui relaterait du rêve, mais directement, sans passer par le langage. C'est-à-dire que les images du rêve et les images qui restent en mémoire dans le subconscient ont toujours été analysées depuis Freud par les mots, jamais directement par l'image. Alors là, c'est ce qui me séduit le plus. Et puis en plus, moi, le cinéma, c'est quelque chose qui est complètement... structure complètement ma pensée et aussi justement mes rêves, parce que je rêve sans arrêt, je tourne, l'un renvoie à l'autre, c'est-à-dire que c'est plus tellement un choix, c'est comme une... C'est une définition du monde pour moi. Alors c'est quand même le rêve, c'est quand même l'image. Hein. Même si le rêve parle, il y a des mots, c'est sûr qu'il y a des mots dans le rêve, mais si on pouvait en relater facilement, ce serait par l'image, plus que par justement les écrits. Pardon ? Des idées de vos rêves sont affligeantes. Concernant la vision de la femme, je ne sais pas si vous en parlez. Oui, j'entends, oui. Je veux dire par exemple le comportement des deux femmes. Ah, mon regard sur la femme. Votre vision de la femme m'a choqué. Oui. Comme par exemple, vous voulez dire j'ai un complexe de supériorité sur le sexe féminin. Non, je crois que j'ai perdu. Bon, il y en a la femme qui m'a énervé. Mais c'est, vous pensez par exemple, vous dites ça comme je me trompe ou j'en suis coupable. Oui. Je me trompe ou j'en suis coupable. C'est une attitude qui est de chez moi. D'erreur ou au contraire d'erreur, de racisme, de racisme vis-à-vis de la femme. C'est étrange parce que moi je pensais que ça c'était quelque chose qui avait explosé chez moi. La première fois j'étais tombé amoureux, c'est Nico, je ne sais pas combien. Quand j'avais 18 ans, je croyais effectivement qu'il y avait un mur de démarcation entre les deux sexes et que la femme c'était quelque chose d'incompréhensible, qu'il fallait s'en faire une raison, et puis que les gens s'accouplaient par mimétisme et tradition. Quand j'ai rencontré Nico, j'ai plutôt eu l'impression que je comprenais, que j'avais rencontré l'intelligence sur la femme comme,
comme j'ignorais qu'elle existait chez elle. Alors, si vous me dites ça, c'est peut-être vrai, je veux dire, on n'en viendrait pas à vous, hein. Mais je pensais que ça avait, chez moi, qui était mort maintenant. Ce n'est pas évident pour moi. La femme est un petit animal, félin, avec des petits sourires diaboliques de temps en temps. Oui, c'est ce que je pensais tout de suite. Hein, je pense que je croyais que l'amour m'avait délivré de cette vision de la femme. Je croyais que l'amour m'avait délivré de ça, dans la mesure où, au moment où on tombe amoureux, il y a l'ambition. Personnel meurt. Vous aidez une femme vierge, oui. Vous faites un neuf. Ça, c'est l'attitude, ça parle encore de l'attitude. Je fais un article de 3 minutes, 5 minutes. Oui. Pour une main. Oui. Est-ce que tu es un voyeur? Ah non, ça c'est pour des. C'était parce qu'à une époque, je pensais qu'il fallait complètement désespériser le cinéma. Parce que moi, j'avais l'impression, quand je rentrais par exemple sous les 25 dans n'importe quel ciné de Paris, rien que le rythme faisait que je ressortais très angoissé. Alors je me suis dit, imaginons que des types en bulle dans Paris, tous les 25, tirent dans un ciné, comment faire pour qu'ils restent? Je me suis dit, il faut que ce soit très très calme, qui ne m'appelle pas. Je me suis rendu compte que personne ne rentrait dans le cinéma, tous les 25 de type burette, etc. Mais c'était juste pour désespériser le tour à l'image. Revenir à ce que disait là. Je suis bien conscient qu'il y a une guerre entre les sexes, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai déclenché, déclaré. Et en plus, je n'ai pas l'impression de porter des coups bas. Je veux dire, je n'ai pas l'impression de porter des coups bas, parce que vous dites c'est affligeant, je ne sais pas, bon, je ne pourrais rien dire, je ne vais pas en placer une dans le sens que. Vous ne pouvez pas vous forcer de partir autre chose, vraiment, c'est pas mon avis. Mais en plus, j'avais peut-être raison, hein. Je ne sais pas du tout de gagner. Oui, précisez. Je ne vais pas faire une analyse. Ça me paraît tellement évident, quoi, je pense que je n'ai pas échappé à la misogynie. Donc... Non, c'est simplement pour savoir si c'est misogyne, donc je n'ai pas compris. Non, je Non, ben je vous ai dit, déjà je dis beaucoup de mon histoire secrète, c'est difficile, on est obligé de relater ça, pour faire comparaison avec la vôtre, je ne sais pas avec qui vous vivez. Mais ça, vous ne me demanderez pas. Enfin, je vous dis, je n'ai pas l'impression, quelque part. Enfin, il y a peut-être un écran très très fort entre elle et moi, entre lui et moi. Mais j'ai pas l'impression de les exploiter. Dans l'exploitation d'un parleur, j'ai pas l'impression de les exploiter quand elles font le travail, face caméra. J'ai l'impression qu'elles m'exploitent aussi, je porte des boîtes pour leur narcissisme. Non, c'est le regard que vous portez sur la femme, c'est tout. Ce n'est pas l'exploitation, c'est quand même bien. Non, c'est la vision, simplement. C'est comme si les femmes doivent en faire. C'est peut-être vrai, mais en fait c'est fait pour personne. Hein. C'est vraiment fait pour être fait, pour le plaisir de le faire. Alors c'est un peu vrai. Moi je dirais plutôt que c'est une sorte d'interrogation. Quand c'est possible, en fait, ça c'est pas à nous à la justice, c'est ça pour vous. Tu vas à nous juger le regard d'un homme sur une femme ou pas. Si, non, mais personne. Non, mais je veux dire, d'un mec qu'on aime sur nous, ça me vient, mais moi je me trouve du regard général. Bon, alors ce qui m'intéresse quand même, c'est que même cette misogynie, il y a une sorte de quête, il y a une sorte d'interrogation qui passe l'esthétique, enfin c'est
pas de l'esthétique seulement. Ou alors si on prend quatre niveaux, quand on passe à côté. La caméra est là, et Teza, elle est toujours là, elle regarde une image, qui a des cheveux, elle regarde des reflets. Elle est là comme dans une sorte de... Elle essaie toujours de passer le miroir, quoi. Et c'est Teza, je crois qu'on ne le passe pas. On ne le passe pas, et c'est ça qui rend les films de la reine pas difficile. Non, mais voilà. Donc, moi, je réponds, je le dis alors dans une réaction personnelle. Là, je suis d'accord, mais moi, c'est la vision. C'est ma vision. Je comprends bien, mais je crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interrogation. En plus, vous souhaitez un cinéaste, parce que je suis sûr que vous faites... Enfin, justement, je ne veux pas dire ça, parce que vous n'avez pas parlé de ça, mais je ne sais pas ce que vous pensez de Godard, par exemple, de son regard sur Carina, et vous attendez un cinéaste qui vous donne la femme telle qu'elle est, mais peut-être un homme, il ne peut pas, ça. Mis à part que moi je veux bien accepter que j'ai ma part de racisme parce que je crois pas que personne est étranger à l'histoire de son siècle. Hein. Alors on a levé ce lièvre-là, je crois qu'il est vrai. Je crois que je dois être exactement. On peut faire la critique sur cette chose chez moi. Mais ceci dit, il faudrait poser, si vous-même vous étiez au pied du mur par rapport au cinéma, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'un homme il peut faire pour donner la femme telle qu'elle est, je ne sais pas. Parce que même, peut-être dans Godard aussi ça apparaît, des fois quand il filme Carina, qu'il est en train de filmer le fauve et tout, mais c'est très très difficile parce que vous, dans votre raisonnement, vous n'incluez pas le geste, parce que vous ne voyez pas ce que c'est déjà consacré. On peut dire, on peut citer Freud qui disait que de toute façon ça n'est qu'un mouvement parce qu'il n'y a eu il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de quelque chose qui tend à empêcher ce mouvement, à le refouler. Alors c'est peut-être que. Oui, non, mais comme Godard il dit les monstres maintenant pour dire d'où l'humanité, moi j'ai un peu cette vision de la du monde que l'histoire de la sexualité, c'est l'histoire de l'angoisse, c'est sûr. C'est quelque chose qui est complètement définition et qui ne peut pas se définir autrement comme Freud disait tout le monde, est malade. Il ne disait pas qu'il y a des malades à soigner. Tout d'un coup, il a compris qu'il y avait 4 milliards de malades sur cette terre, qui devait être une vision du monde très très difficile à défendre. Mais c'est sûr, il y a pas de... c'est pour ça qu'on ne peut pas. On ne peut pas attendre quelqu'un qui soit, on pourrait dire, sain, une femme avec une caméra en filmant. C'est une vision complètement... Ouais. Non, je ne disais pas ça moralement. Moi, je disais ça au sens de juste. Juste. On ne peut pas... Certainement, c'est impossible. Mais c'est quelque chose comme... C'est aussi un tissu, comme la névrose. Et puis ça doit être quelque chose qui entre les deux, s'établit, qui tient compte de la névrose des deux. Et, je ne peux pas arriver Oui, je dis ça pour pas que je me soucie de ça. Dans le dernier, je pouvais parler pendant que je tournais. Je parlais pendant que je tournais. J'étais seul très souvent avec elle et je parlais pendant que je tournais. En plus, elles sont assez particulières toutes deux parce que c'est vraiment. Enfin, on l'a vu quand elles ont essayé de travailler dans des films classiques, c'est des très mauvaises actrices toutes les deux. Et avec moi, j'ai jamais eu ce problème toujours. Alors, je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas, c'était un peu panique comme tournage, parce que ça c'est vraiment, par exemple, le but de Régis, c'est vraiment des films de crise, hein. C'est des films qui sont vraiment tournés avec rien, des chutes de pellicule, noir et blanc,
porter la caméra sur le, pas quoi, prendre un taxi pour mettre la caméra, pour en aller au lieu de tournage, moi seul, pas de technicien parce que pas d'argent, alors juste partir avec la petite amie, travers Paris, tout ça, c'était assez panique, alors c'est difficile de dire comment c'était, c'est-à-dire c'était comme ça pouvait être, il n'y avait pas moyen de faire autrement à la limite. Oui, de la caméra, bah c'est, oui, bah c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est une intoxication. Au bout d'un moment, on est accroché au tournage et au bout d'un moment, on étouffe. Ça devient dangereux et le seul moyen, c'est de prendre la caméra, puis après, ça s'écoule. Mais ça, c'est assez inconscient, hein, comme c'est pas vraiment, c'est l'inverse d'une prise de conscience. La prise de conscience, elle est beaucoup plus après à la projection des rushs quand on regarde, enfin, dans le cas de ce film et de ce genre de pratique. Mais au moment du tournage, les choses, elles sont dans l'indicible, hein, et elles ne sont jamais vraiment dites. Ça reste toujours des comportements, des attitudes de l'un par rapport à l'autre. Et puis... Mais il n'y a pas, enfin, je ne sais pas, c'est sûr que c'est un problème, la dictature, sur le tournage de la scène, c'est un problème qui est difficile de personne n'a fait un cinéma sans hiérarchie encore. Alors là, le fait qu'il y ait juste elle et moi, de temps en temps nous trois, et que je sois seul avec elle, faisait déjà qu'on n'avait plus à parler de ça, on parlait d'autre chose. On pouvait parler comme si on n'avait pas de caméra, on pouvait parler de nos vies réelles. Et pour ce qu'elle faisait devant, alors je ne me rends pas compte dans ce que j'ai pu dicter moi, pendant que je tournais en parlant, ou ce qu'elles ont pu elles faire, elles ne font pas grand chose non plus. Hein. On ne voulait pas dire autre chose que tenir un espèce de journal sur notre vie. Juste en cherchant, oui, comment on pouvait le dire dans une tonalité qui soit plus onirique et plus celle du rêve que complètement réaliste, mais enfin, c'est très près des gestes qu'on fait chaque jour. Il y a une chose que je t'ai entendu dire à propos du Bleu des Origines qui m'a énormément étonné, parce que moi j'aime bien le film, tu disais que toi tu l'aimes tellement. Non, je n'aime pas tellement tous ces films. Et pour que ça tournait en rond, tu aurais pu faire la même chose avec le Bleu. Ce qui me semble très, très paradoxal, parce que bon, la photo au cinéma, non, c'est pas pareil. Et en plus, tout le côté pulsation qu'il y a dans le film, dû à la fois aux pulsations de la lumière, etc., on l'aurait pas dans son photo. On aurait le, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais émouvant. Ce qui me gênait, c'est que c'est jamais émouvant. Tout en plastique, comme ça, c'est jamais émouvant. Et c'est ça que je voulais dire, que la photo, c'est quelque chose qui vous soulève jamais le cœur. Alors, c'est en ça que c'était par rapport à des vrais films muets anciens, c'était quand même pas grand-chose. Et puis, je sais pas. Les trois films, là, je les aime pas. J'aime bien moi j'aime juste Marie pour mémoire et La cicatrice intérieure. Et le reste, c'est comme. Mais ça, c'est après, on découvre qu'on n'aime pas un film. Hein. Comme on fait, on aime bien, puis après, on découvre que finalement, c'était pas du tout important pour sa vie. Non, parce qu'en plus, même dans vos propres films, il y en a qui vous questionnent encore et puis qui vous définissent beaucoup plus que vous avez dit sur vous-même. Prophétise vous-même votre propre vie, que vous pouvez les voir longtemps après, puis vous vous rendez compte que déjà il y avait quelque chose qui n'était pas du tout passé encore, dont vous n'avez pas pris conscience, qui s'était exprimé seul, comme ça, comme une espèce de lapsus, mais il y a un lapsus d'image aussi, puis il y a un lapsus qui passe par le dialogue. Et alors bon, ça se passe très rarement, ça se passe peut-être tous les 5-10 ans, c'est même pas un truc que soi-même, c'est pas en travaillant plus, pas en ayant plus de moyens, ou ça peut se passer sur n'importe quel genre de film, que tout d'un coup un film est comme ça, une cristallisation dans votre vie, de tout, et qui vous passe par-dessus et vous définit plus que vous l'avez défini. Et ça se passe, oui, c'est une fois sur 5 ou 10, je ne sais pas. La musique. Oui, alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont sonores et d'autres qui sont visuels, je ne sais pas. Parce que, par exemple, moi, de toute façon, si on me disait, en reprenant la terminologie religieuse, qu'est-ce que ça serait pour moi, la paix et la sérénité? Ça serait une image, je ne sais pas, je dirais une forêt, peut-être, comme on dit dans les têtes, mais muette.
C'est-à-dire que même la plus belle musique du monde, même ce que j'aime le mieux au monde, même Dylan, quelque part, c'est en un quart d'heure, ça peut devenir l'enfer pour moi. Et le monde du son, pour moi, c'est comme l'enfer. Alors qu'au contraire, le monde de l'image, c'est comme la paix. Alors c'est peut-être pour ça, c'est-à-dire quand vraiment je peux éviter, je le fais à chaque fois. Et puis il trouve. Ah oui, que ce soit difficile, voilà, je me rends compte que c'est très courageux. Ça, je me rends compte, même pour moi, c'est parce que quand je le vois, c'est aussi dur. Que ça m'irrite, puis j'en ai et puis je me force à rester, puis après je me dis, oui, ça revient bien, et puis après ça me réédite. C'est des études, hein. C'est vraiment des projets, et c'est pas du tout. Je tiens pas ça pour des œuvres, je tiens ça. Les trois derniers, je pense que vraiment des brouillons ou des études, enfin, des chargements, des plans d'architectes de maisons qu'on n'aurait pas construites encore, du coup on ne construira jamais. Et quand on a fait des plans d'aboutis, moi, par exemple, ma réponse mémoire, c'est beaucoup plus infantile, c'est complètement, et puis ça a des côtés ridicules, etc. Des fois ça me fait honte. Mais c'est pas ça, c'est que ça présente encore. C'est-à-dire si on. C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que si on détruisait ces films-là, je crois qu'on pourrait sans problème continuer à vivre, en faire d'autres. Mais si on détruisait comme ça Marie pour mémoire, par exemple, je crois que ça serait dangereux pour mon équilibre physique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui réellement deviennent comme votre main ou votre bras, ou qui sont vraiment vous-même. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est quelque chose. C'est pas parce que vous l'admirez, c'est pas parce que ça m'exalte, au contraire, je dis ça fait plutôt honte des fois. Mais, parce que je me rends compte que c'est quelque part, c'est une partie de moi-même. Oui, je suis un peu prétentieux. C'est dur de vivre autrement quand on est un artiste, que de prendre une attitude un peu arrogante et impertinente sur des jeunes gens, parce que très très exposé. Alors c'est une attitude que j'apprends à prendre doucement, s'ouvrir un mépris, mais je suis quand même un humaniste, quelque part. Je suis un peu étonné pour ta réserve que tu as formulée pour la musique. Parce qu'en fait, en Marie, pour mémoire, je prévois un long voyage en voiture à travers la campagne avec les arts appropriés un peu genre, et souligné par la musique, c'était un moment très émouvant, c'était très français. Oui, je hais la France, vraiment. Non, pas pendant tout le temps que je le dis, mais je pense que c'était souligné par. C'était aussi avant, donc j'ai le ressenti comme ça. Je n'en sais pas, est-ce que c'est une scène qui se fait honte maintenant? Non, mais c'était français comme tous les Américains, tous les gens, des Français exilés en Amérique, qui sont en train d'un air d'accordéon, et voilà. C'est quelque chose qui est à la fois comme. Parce que moi je voulais montrer, quand je l'ai fait, la phrasique, pour j'ai vu la musique de Bastien, à l'époque c'était pas parodique, mais presque, c'était pour montrer la misère morale française qui apparaissait dans le paysage, je crois. Non, moi je parle, ça c'est pas. C'est pour moi, au niveau de la couleur, c'est du croûte. Hein. Je regarde par rapport à Atanor, tous ces maisons là. Dans le voyage, j'ai pas mes couleurs, parce que j'aime beaucoup la peinture. Ça c'est ce que j'aime le plus. Les meilleurs amis sont les peintres. Non, je l'ai fait comme ça par pratique. C'est comme le fait qu'on entend la caméra, c'est très vérité, c'est parce qu'on ne pouvait vraiment pas faire autrement que. Je veux dire, si je fais un cinéma sans argent, je ne peux pas demander à des gens, je ne sais pas, le truc inventé de Gaulle, la participation, le cinéma, c'est vraiment une imposture, j'ai jamais vu un technicien toucher à un film de participation. Alors moi je préfère, quand je n'ai pas d'argent, faire le truc moi-même. Alors bon, j'ai moins bien le fait, puis finalement ça ne m'intéresse pas tellement de faire ça, alors là j'avais fait la photo, mais je veux dire,
me rends bien compte que c'est, on ne peut pas appeler ça faire la photo, ça, c'est pas juste après imprimer la pellicule. Mais sinon, pour moi, au niveau virtuel, ça jure tout le temps, j'ai pas les bleus, j'aime pas ces bleus, il y a des cobalt, des bleus cobalt, moi j'aime pas le bleu cobalt, puis je suis enfant, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais je ne le domine pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et s'il y avait un opérateur, je pourrais gérer des gammes de tons et des lumières, etc. Non, je ne pense pas que non, la photo, là, c'est vraiment... C'est-à-dire, depuis là, 3 ou 4 ans, je suis vraiment au minimum nécessaire. Quoi. C'est-à-dire, c'est comme... J'ai une caméra qui fait du bruit parce que c'est la moins chère à louer. Alors bon, à chaque fois que je prends du son, on l'entend. Et puis, je charge moi-même et je fais la caméra moi-même. Je ne sais pas prendre de diaphragme, mais j'ouvre au maximum tout le temps. Et j'ai vu que ça marchait très bien. Donc, il y a aussi une part de multiplication dans la photo. Enfin, je veux dire, je ne fais quand même pas le travail de l'opérateur. À l'image. Alors bon, ça je le fais parce que finalement j'ai envie de filmer les acteurs. Bon, je me dis qu'il vaut mieux tourner même comme on peut que de ne pas tourner. Non, là c'est vraiment au minimum technique, c'est des films qui n'ont pas de producteur d'abord. Déjà, c'est une équipe pas beaucoup de films en cinéma qui n'ont pas de producteur depuis plusieurs années. C'est comme ça. Et, ben évidemment, ils sont très très bâclés techniquement. Finalement, c'est pour ça que je trouvais étrange qu'on dise que j'avais un regard sur la femme qui n'était pas qui les trouve, parce que, au contraire, moi je trouve que c'est plutôt eux. Alors, s'il y avait vraiment une manipulation, elle est beaucoup plus sur des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils disent au départ, bon, je te fais confiance, et puis fais ce que tu veux, mais je ne cherche pas. C'est juste une disponibilité, ça, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas du tout. Maria n'avait jamais vu un film de moi, je veux dire, ça avait vu certainement pas ce que j'étais en train de faire derrière, et peut-être même elle aurait arrêté si elle avait su. Je veux dire. Alors eux, ils se mettent simplement à m'apporter, et puis moi j'ai peut-être projeté quelque part sur eux, comme ça, une incarnation d'un personnage. Mais pourquoi ils le font? Alors ça, je ne sais pas. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils doivent se salir tellement en cinéma commercial que des fois ils ont besoin de Je ne comprends pas la perspective que j'ai perdue, que les acteurs finalement faisaient un travail à la place, pas le travail qu'ils auraient pu faire avec d'autres acteurs. En parallèle, oui, parce que forcément, ce que je chargeais, et vous, alors je ne pouvais pas diriger tout le temps sur le sens. Oui, non, mais bon, c'est aucune. Enfin, Warhol, il n'est jamais intervenu, hein, par exemple. Il a fait, je ne sais pas, 30 films pour intervenir et ce n'était pas du tout. C'est pas comme s'il était absent. C'est juste une présence. Où il y a un parti pris de mise en scène de la télévision par rapport au texte de la vidéo, par conséquent de distance. Je ne sais pas comment appeler ça. Ah non, alors, le texte, Non, j'ai essayé en vrai, quand j'avais conscience que j'aimais pas le roman, mais enfin j'ai quand même cherché ce qui pouvait lier des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche. Bon, c'était par exemple le discours amoureux. Bon, alors j'ai cherché par là. Mais alors là, je me moquais pas du tout de quoi, parce que c'est le seul endroit où D'Annunzio a été un homme très brillant, et c'était un amoureux. Et je sais pas, alors oui, moi je trouve ça aberrant en fait de ce qu'on m'a fait d'anti-féministe, parce que je suis vraiment, au contraire, je suis plutôt de l'autre côté, je suis un ginolâtre, comme on dit, comme je suis chasseur de femmes, j'ai tendance à en faire bien la religion. Comment en fait, à partir de la femme, un discours masculin peut se mettre en route sur la femme, en fait, c'est ça qui compte.
que la première séquence de Marie pour mémoire soit une question qu'une femme pose à un homme de telle sorte que lui puisse se dire exister sous son regard, dans son désir. Ça qui est absolument constant dans toutes les films. Comment le désir de la femme est une manière de mettre sur l'écran son propre regard sur elle. Ou un discours amoureux comme celui de la femme. Ah oui, non, c'est comme ça. En fait, bon, il y a d'autres. Oui, c'est comme ça, j'ai compris cinéma comme un homme filme une femme. J'ai compris ça, oui. Comment ? J'ai compris cinéma comme ça, j'ai compris comme un homme filme une femme. C'est vrai. Et je dis pas ça pour il n'y en a pas d'autres, mais moi je l'ai compris comme ça, quoi. Le cinéma, c'est un homme derrière une caméra et une femme devant. Et c'est comme ça que je l'ai pris, je veux dire. Mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres. Hein. Non, je sais bien, mais faites madame, une femme derrière et votre homme devant, et ça sera peut-être fantastique. J'ai pas compris ce qui vous choquait, que je respectais des gens d'extrême droite. Oui, je crois que quand on a appris la théorie des ensembles, je crois pas que c'est des ensembles qui coïncident. Je crois qu'il y a certainement des gens qui n'ont jamais rencontré une femme dans leur vie, parce que tout tient quand même à son histoire propre, à savoir que on sait la femme si on l'a rencontrée, et puis il y a des gens qui sont jamais tombés amoureux de leur vie, et ils sont pas moins bien pour ça. Et alors il y en a simplement à l'extrême droite et à l'extrême gauche, mais bon, je sais pas, là, essayer de faire une coïncidence sur l'extrême gauche, il vaut bien celui d'extrême droite pour ce qui est celui de la femme. Très difficile parce que, bon, par exemple, là déjà, on voit le cinéma, il a été inventé dans la bourgeoisie pour ce qui est des problèmes de la classe et par un homme, par deux hommes. Il faudrait qu'une autre place tourne et personne n'est arrivé à faire ce pont, et il faudrait qu'un autre sexe tourne, et c'est sûr, et bon, et c'est peut-être qu'il se met en marche aujourd'hui. Mais vous savez, moi je ne fais pas partie des gens qui veulent garder les rênes du monde, je vous les remettrais volontiers si je pouvais, je veux dire, je suis né dans le monde qui était, je veux dire, je vous remettrais volontiers le pouvoir. Vous m'accusez de pouvoir, je vous dis oui, mais je ne l'ai pas pris, c'est un pouvoir qu'on m'a transmis. C'est Hume qui disait... De toute façon, c'est très difficile pour un homme de parler d'une femme parce que la femme est là où commence l'obscurité de l'homme. Hein. L'ignorance de l'homme pour la femme, elle est presque totale, comme on dit dans Marie, mais elle n'est pas totale, elle est presque totale. Moi, je me souviens d'un moment qui est extrêmement troublant dans une vie ailleurs. Godard filme une femme libanaise qui a rejoint la résistance palestinienne. Et sur ces images-là, après cette femme parler de son engagement dans la résistance, il y a une voix off, une femme, qui dit tu as tourné, tu as filmé le visage de cette femme, et tu as bien pris soin de la prendre belle et de porter sur elle un regard. Ah oui, je me souviens, oui. Tout le c'est tout là que commence le fascisme. C'est bien dit, oui. Bon. Ou quand elle fait ça sur le petit enfant aussi, oui. Oui. C'est un peu ce que les filles sont en train de faire aujourd'hui, mais c'est très difficile hein, de répondre. Il y a une façon, par conséquent, là, chez Godard, de dépasser ce qu'il a pu faire avec Anna Katana, d'aller plus loin que de porter simplement un regard sur une femme. Un. Deux, travailler sur une actrice, c'est peut-être effectivement une façon nécessairement de maîtriser. Mais moi je pense à ce que Rivette fait avec les actrices. Quand Rivette filme une actrice, il y a toujours en elle le fait que actrice, elle agit. Et par conséquent, il y a sa féminité et en même temps le travail qu'elle peut faire en tant qu'actrice sur un certain nombre d'images stéréotypées, de stéréotypes cinématographiques. Fait que un type comme Rivet, quand il filme une femme, il y a du côté de la femme quelque chose qui lui échappe. Or, j'ai pas l'impression que dans tes films, il y ait quoi que ce soit d'une femme qui échappe au regard que tu portes. Non, nous avons pas. On parlait des hommes dans le créateur, quoi que un créateur, qu'est-ce qu'il peut montrer d'autre que les hommes dans. Non, pas de mots, mais de mots aussi. En fait, c'est...
Mais si. Oh, oh non, mais mais les filles, je ne les dis pas. Alors vous dites les filles sont stéréotypées dans leur attitude dans le monde vis-à-vis de. Enfin, telles qu'elles se sont faites et telles qu'elles vivent. Mais moi je les plie en quoi? En quoi je plie les filles à une idée que j'ai d'elles? C'est là où je vois pas. Parce que c'est pour ça que je parlais de Warhol tout à l'heure. Moi je suis plutôt un interventionniste. Je veux dire, je touche pas au réel, j'essaie de magnifier dans la lumière, comme ça, mais enfin c'est quelque chose qui est complètement formel, c'est pas de je fais pas de... Est-ce que dans le jeu de galaxie, c'est quoi le stéréotype? C'est la robe noire avec le fichu sur la tête, c'est ça? Oh là, c'est pas moi qui habite, du coup, comme ça, je veux dire, c'est ça le stéréotype. Moi je suis un stéréotype complet, je vais te montrer comment je suis habillé, tu vois ce que je veux dire. Bon, parce que le cinéma, on parle pas de stéréotype sur le costume. Uniquement. Parce qu'une image, c'est pas que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les habits, le corps, c'est aussi la lumière qui transforme le corps, c'est aussi l'espace qu'il y a avec, la profondeur de champ, si derrière c'est flou, si c'est pas flou, pourquoi c'est flou, pourquoi c'est pas flou, qu'est-ce qui se passe dedans, s'il se passe rien, pour d'abord qu'est-ce que ça veut dire, toi. Je trouve que c'est ça aussi. Il y a cette relation physique, je veux dire, de celui qui filme et de celui qui est filmé, que ce soit un homme ou une femme, qu'il soit devant ou derrière, c'est pareil. Alors il y a un grand marxiste qui s'est levé dans la salle, qui lui a dit, bonsoir le gendarme, il dit, oui, mais dites, dans votre film, on ne voit pas beaucoup les ouvriers. Alors bon, moi ça me fait penser exactement ça, parce que finalement, il suffit, alors qu'on filme quelque chose, pour que ce soit une oppression de cette chose, de cette personne. Quel que soit, dire que ce soit un homme ou une femme, un chien, n'importe quoi, dire c'est pareil. À ce moment-là, il ne faut pas replacer ça précisément dans le cadre de la guerre des sexes. Parce que la guerre des sexes, il y a, mais peut-être dans un cadre plus large. C'est pour ça que je trouve ça un peu étrange, qu'on ait cette procès-là ce soir. C'est la seule chose que j'aime, c'est avec la caméra et les filles ensemble. Je sais pas. Ça, il y a quelque chose qui, pour moi, est une exaltation que je ne sais pas, je ressens dans. Je pourrais comparer ça à, je sais pas, à l'idée d'être en train de faire la révolution, ou l'idée d'urgence, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Où la chose est à la fois complètement sexuelle et en même temps complètement en dehors du problème de la chair, et que c'est à la fois et où on n'est plus dans où j'ai plus l'impression de qu'on a là de ping-pong de la communication entre les hommes et les femmes, ça, j'ai l'impression que c'est comme un inconscient collectif d'une minorité, c'est un petit groupe, les gens qui font le film et où on est tous, je sais pas, c'est la seule chose que j'aime bien, c'est tourner. Alors ils sont effectivement pas rentrés. Non, j'aime, à tel point que, je crois très bien, c'est pour ça que je dis que c'est des études, moi je pourrais très très bien tourner tous les jours, et puis que ça donne jamais un film, c'est-à-dire que, de faire réellement l'étude du cinéma, comme ça se passe, ça peut pas se pratiquer, mais comme on parlait avec Langlois, tout le temps que le mieux, ça serait l'université du cinéma. Parce que le cinéma, ça cette espèce de côté sportif que j'aime pas, à savoir, c'est comme si pour un guitariste, de ne pas avoir sa guitare, ça doit être très angoissant des fois. Et des fois, de ne pas avoir la caméra, c'est très angoissant. Et en même temps, quand on l'a vraiment pour le film, et puis il faut le faire, et il n'est pas question de plus le faire. Et alors, et tout ce qui est le doute, et l'hésitation, et la difficulté dans l'art, ça, c'est au contraire, c'est... ça devient un sport, il faut vraiment, le tournage a commencé, il faut booker le film, il n'est pas question de commencer à tout remettre en question, et quand on voit les rushs, on s'y aime pas ça, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Et alors c'est pour ça qu'on pense que c'est une université du cinéma, parce que le cinéma n'a jamais eu une pratique autre que celle d'un sport de tournage. Enfin, et il faudrait pouvoir effectivement tourner chaque jour et ne pas aller forcément vers un film, aller vers... Enfin, surtout dans les directions que je prends, moi, où j'ai pas de... Il n'y a plus de fiction, mais il n'y a même plus de sujet. Il y a un titre, et puis il y a des acteurs, et puis c'est tout. Non, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut voir... Il faut voir ça vraiment comme des directions du cinéma, autres, et pas comme des spectacles, ou pas comme quelque chose de magistral, c'est pas un enseignement magistral, c'est comme des directions autres que j'essaie de prendre
comme ça, par autant par instinct, hein, c'est même pas par... c'est bon, parce que je, quelque part, je, en plus je sais pas le faire le cinéma différemment. Je sais pas si j'aurais pu faire différemment, je me rends pas compte si c'est tout, comment je me suis corrompu moi-même dans l'idée d'avant-garde. Et puis bon, je me suis retrouvé, maintenant je sais faire ça et je sais pas faire autre chose. Et en même temps, je crois que je saurais faire plus, mais pas dans le sens qui irait vers vous. Sans doute, peut-être j'aurais tiré des bordées plus longues dans ces directions-là. Mais c'est comme des esquisses de quelque chose. Et puis c'est vraiment le moins qu'on puisse faire. C'est toujours le minimum. Les films, c'est toujours le minimum. Il n'y a pas de... Ils sont pas dans le perfectibilisme ou dans le fétichisme. Ils sont toujours tels qu'on a, on a pu les mettre sur pied. Et puis, tels qu'on les a improvisés. Non, ce qui est la seule chose qui, moi, pour, si on peut finir, on est peut-être un peu fatigué, comme autocritique, je pourrais dire, moi, c'est un truc qui m'inquiète le plus, c'est que j'arrive pas à l'émotion, jamais. Et en même temps, je veux pas faire, je voudrais, bon, effectivement, je ne veux pas la psychologie, des rapports, je ne voudrais pas le sentimentalisme, ni le naturalisme, comme bon, aujourd'hui c'est le naturalisme qui est mais c'est pas l'émotion, ça c'est vrai. Que je filme jamais un baiser, jamais une femme qui embrasse un homme, j'ai encore moins qui fait l'amour, oui. Non, ce que j'aurais pu dire, les femmes, c'est, j'aurais pu dire, je m'endors, peut-être je sens plus les femmes, et peut-être c'est en train de se figer, ça c'est peut-être une chose qui m'inquiète plus, à savoir peut-être je les entends plus vraiment, et peut-être je m'endors, parce que c'est vrai qu'on est, on a... dans la jeunesse, c'est quelque chose où on est sans arrêt remis en question, on a des épreuves terribles, etc. Puis déjà, moi je vois à mon âge, ça devient beaucoup plus facile. Enfin, on remet beaucoup moins en question les choses. Enfin, je dis ça, peut-être qu'il y a des crises terribles qui m'attendent, mais... Alors peut-être qu'on aurait pu me dire, c'est que je les entendais plus, ou que je les perdais de vue quelque part, c'est peut-être plus vrai, ça. Ça, c'est peut-être un peu plus vrai. Et... Bon, ou que ça se figeait, que c'était en train de devenir fixe, quoi, au lieu d'être sans arrêt de réouvrir à chaque scène, que ça se figeait et que ça pouvait, après, ça pouvait être pris pour finalement un préjugé et que ça allait fomenter un préjugé. Oui, que l'attitude, elle est peut-être un peu statique. Oui. C'est pas seulement matériellement qui est statique, l'attitude est un peu statique.